Partagée en deux parties, comme nous disons, la Torah
La mosquée est construite pour les invocations.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mis à cette personne, il avait commandé un compagnon d'Amélio qui avait chez l'un de l'homme, la personne qui l'avait dit. Et lorsque le prophète lui-même, il s'est comporté dans cette manière à la personne lui-même, c'est le créant, il a fait le droit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Allah d'avoir le pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas avoir le pitié des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit parce que si ce n'était pas toi, et tes compagnons devraient me tuer, mais comme tu étais vraiment quelqu'un qui se comporte bien, et il a demandé le droit à Allah. Le prophète a dit, la miséricorde d'Allah est vaste, et ce qu'Allah a dit vaste, tu n'es pas dans sa cour. Ne fais pas le droit pour moi seul, il faut faire le droit pour cette personne aussi. Et après, il a fait le droit pour le prophète et ses compagnons, il a accepté l'islam. Et qu'est-ce qu'il devons savoir dans cette hadith à Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Nous devons tirer beaucoup d'importance dans cette hadith. Premièrement, le hadith nous parle de la mosquée, l'endroit là où on vient pour se faire le paradis. Et tout le monde est responsable en tant que musulman. Lorsque tu arrives à la mosquée, tu vois la saleté, ils font enlever la saleté. Et en plus forte présence, c'est interdit de rendre la mosquée sale. Il faut chacun de nous, et tous les musulmans doivent veiller sur ça, et de ne pas attendre une personne de notre autorisation de rendre la mosquée propre. Et si tu as la possibilité de rendre à la mosquée propre, il y a beaucoup de manières de faire. Si tu ne peux pas toi-même faire le travail de la mosquée, il faut financer pour la mosquée. Il faut faire tout mieux pour que la mosquée devienne propre. Parce que la mosquée, c'est la maison d'Allah. Parmi les importants de cette hadith, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si lui-même, il était comporté, la façon que ses compagnons, ils ont comporté pour menacer la personne parce qu'il a vu ce qu'il a fait, ce qu'il a fait à la mosquée, la personne ne devait pas accepter l'islam. Mais comme le prophète lui-même, il s'est comporté bien, par la grâce des pitiés et des comportements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne a accepté l'islam. Allah nous a dit, wa innaka la ala khuluqin adhim. Toi, Muhammad, tu as un bon comportement. Il a dit dans un hadith, Allah m'a envoyé, c'est pour compléter des bons comportements. Et voilà pourquoi nous tous, nous les musulmans, nous sommes des ambassadeurs dans notre religion islam. On devrait bien se comporter, mais on ne dit pas à la personne qu'il faut que tu te comportes bien là où on n'a pas de désobéir à Allah. Donc le comportement fait partie des choses qui vont donner à la personne un grand valeur dans ses visages de Hassanat et Matria. Dans le 11e point, il a dit Adam Khoda il a dit film en famille. L'interdiction de faire ses besoins dans les cimetières. Le hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah et son ami Hassani. أن أخبر ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق لا. Le prophète nous a dit dans ce 11e point, l'interdiction de faire le besoin naturel au cimetière. D'abord, le cimetière, c'est les habitations des frères qui sont décédés. Et c'est l'endroit qui est nous tous. C'est notre dernier place. C'est notre premier escalope vers le Saint-Bosch. Et voilà pourquoi dans le cimetière, nous tous, nous devons se lever bien pour construire nos maisons au cimetière avant que
que ce soit là. Comment nous construisons notre place dans le cimetière? C'est en faisant les bons actes. On doit construire notre maison au cimetière au lieu de construire les maisons qui ont pas laissé sur terre. Et le prophète nous a interdit de faire le besoin au cimetière. Il a dit dans cet hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, qui est rapporté selon Uqba ibn Amir, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et lorsque je marche sur le feu, ou bien lorsque je marche sur une bouillie, et ça va piquer mes sourcils, et ça va me blesser, et mieux pour moi de faire mes besoins au cimetière, ou bien de faire mes besoins au marché. Et ça nous montre qu'il a pour les deux choses, ce qui concerne au cimetière et ce qui concerne au marché. Les cimetières, c'est des endroits là où nos frères là où sont comme des vivants. Et la façon que nous, si la personne il a fait ses besoins au marché, la façon que tu vas déranger aux gens, ou bien ce que tu as fait au marché, ça va déranger les autres. C'est la même façon, quand tu fais tes besoins au cimetière, ça va déranger les gens qui sont décédés. Ça montre que ce n'est pas parce que la personne est décédée, il ne sent plus pas l'odeur et la sanité. Parce que c'est leur maison, c'est leur habitation. Et donc la façon que c'est interdit, toute personne qui sait, il ne va pas se mettre debout au marché devant tout le monde, devant la masse, en plein jour, et faire ses besoins. C'est interdit pour la personne de faire ses besoins au cimetière. Pourquoi il a donné ces deux exemples? C'est une façon de nous dire, quand on est marché en plein 13h, en plein 14h, lorsque la personne est consciente, il ne va pas faire ses choses au marché. Et c'est la même façon qu'il nous a interdit la personne de faire ses besoins au cimetière. Et au cimetière, c'est l'endroit que nous devons aider nos frères. Et nos soeurs, les gens qui ont pris l'embrasement de la porte au cimetière. C'est très important pour nous et évitons de mettre la saleté au cimetière, la façon que toute personne évite de mettre la saleté dans le marché. Dans le deuxième point, il a dit à l'histoire où il est nazi. La personne doit se tenir l'endroit non visible devant les gens. Le hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i, de Sanad al-Hasani, al-Abdurrahman, ibn Abi Quraydi, radiallahu anhu, qala, kharajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-khala'i, wa kana idha arada al-hajata ab'ala. Et nous a dit, selon Abdullah ibn Abi Quraydi, il a dit, moi je sortais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envie de faire ses besoins naturels. Mais lorsque ça arrive, il a envie de faire ses besoins, il va se laisser l'endroit plus loin des champs. Et ça montre que nous, ou bien ça montre que toute personne va lui faire ses besoins, il faut qu'il cesse l'endroit non visible. C'est combien de personnes, combien de musulmans, tu vas voir la personne au bout de la route, la personne qui se met à côté, il fait ses besoins, il attend de parler, parfois par le téléphone, il fait ça devant la masse pour tout le monde. C'est-à-dire, Allah lui-même qui nous a honoré, il nous a dit quoi? Voilà, quand le Karamna, on dit Adam, Allah nous a honoré. Parce que tout ce que Allah a créé parmi nous, nous on fait partie des gens qui vont porter les ailes. Donc, on ne doit pas, et toute personne s'est interdit de faire ce besoin là où tout le monde nous voit, c'est-à-dire en public. Est-ce que c'est un endroit, là où on dit, c'est par exemple, c'est dans le Sahara, dans le désert? Dans le livre de Sharia, on dit la personne doit aller jusqu'à la personne qui va nous regarder, qui ne va pas distinguer c'est un homme ou c'est une femme. Ou bien c'est une personne qui attend de venir, ou bien c'est une personne qui attend de partir. Parce que si on dit c'est un endroit, tu vas chercher là où tu vas te cacher et tu vas masser fatigué. Mais selon ce qu'ils ont dit, la personne doit aller plus loin, là où on ne va pas nous reconnaître. Après, il va s'asseoir, il va faire ce qu'il va faire. Mais s'il y a la possibilité, c'est de laisser cet endroit non visible des gens, c'est-à-dire l'endroit en cachette par exemple, c'est déjà à l'islam. C'est ça que l'islam vous a demandé.
Et dans le troisième point, يستحق لمجلسات المرابطين إدارة اليوتيرا. Il a dit que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui va se purifier au-delà de l'eau et la personne va se purifier avec nombre impair. On peut dire 3 cailloux, 5 cailloux, 7 cailloux, 9 cailloux, 11 cailloux, ça qu'on appelle nombre impair. Ou bien si c'est les papiers, ou bien si c'est les ailes, ou bien autre chose, que tout ce que la personne va se purifier avec, c'est aimer dans la sunna de la personne qui se purifie avec le nombre impair. Parce que ce qui est dit, à la mémoire, quand il y a la main, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلي إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر فمن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغسل أنفه وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Alors, ce que nous a dit, lorsque la personne, il a envie de faire son ablution, et il a dit, lorsque parmi vous, il va faire l'ablution, il faut qu'il mette l'eau dans son nez. C'est-à-dire qu'il va tirer l'eau par sa respiration. Et il va rejeter l'eau par sa respiration. Et c'est pourquoi la prédiction concerne l'ablution. Nous savons tous, à quoi demander de l'esprit cerveau, mais sur la vie. De mettre l'eau à la bouche et pas au nez, c'est parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas parmi les obligations. Mais comment, c'est-à-dire, lorsqu'on fait la mission, c'est dans la sunna, et la personne doit distinguer entre la bouche, ou la personne doit faire entre la bouche et le nez. Et beaucoup de gens ratent cette sunna. Et comment on peut faire la mission lorsqu'on a envie de. Et mettre l'eau, comme nous disons, tirer l'eau par le nez ou bien mettre dans la bouche. Lorsque tu vas prendre l'eau dans la main, il faut partager l'eau en deux parties. Tu vas mettre à la bouche une fois, tu vas mettre dans le nez une fois. Mais certains font la bouche trois fois, le nez trois fois. La sunna, c'est de mettre à la bouche une fois et de mettre le nez une fois. Et après, la bouche une fois et le nez deux fois, comme nous disons qu'on mélange, il n'est pas fait, il n'est pas partagé entre le nez et la bouche. C'est ça la sunna normalement. On ne dit pas la personne qui fait seulement la bouche trois fois, le nez trois fois, il a fait un événement, il a fait la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, lui, c'est, si la personne n'est pas en jeûne, c'est la sunna et tire l'eau avec la force. Mais beaucoup de certains, quand il fait l'ambition, il ne fait pas attention, c'est permis seulement les deux doigts dans le nez. Comme ça, il dit qu'il a fait ce qu'on appelle la soupe. Ça, c'est le comble de la soupe. Et donc, voilà pourquoi il a dit, et lorsque la personne, il va s'épuiser avec les cailloux ou bien les papiers, il va s'épuiser avec le nom impair. Et lorsque la personne, il se réveille là où il dort, il a envie de faire son ambition. Et ce n'est pas la personne pour la personne de commencer de mettre la main dans l'endroit où il a mis l'eau pour faire la mission. Parce qu'avant, il n'y avait pas le brouillard. C'est maintenant qu'on a trouvé ce qu'on appelle brouillard pour faire la mission. Et qu'est-ce que nous disons dans ça? Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a le brouillard. Et lorsque la personne il dort jusqu'à le matin, avant de commencer, de faire son ablution, il faut d'abord qu'il lave ses mains d'abord avant de commencer son ablution. Parce qu'il ne sait pas pendant la nuit, quand il dormait, la main a touché quelle partie sur son corps. Donc c'est parmi les sunna, avant de commencer l'ablution, de laver d'abord les mains trois fois. Et lorsque la personne il dort, il se réveille, avant de commencer de faire son ablution, il faut d'abord qu'il lave les mains d'abord jusqu'à corps. Parce qu'il ne sait pas que si la main n'a pas touché l'endroit intime qui n'est pas propre. Donc tout ça c'est une façon de le dire, la personne doit se civiliser. Donc on doit passer par toutes nos choses dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En 14e point, Adam nous explique qu'il arrivera aussi à Admin au Qa'ami. Toute personne s'est interdite à l'islam de se purifier avec
les quatre de chalumeau, comme nous disons, les bœufs, les moutons, les chameaux. Parce qu'on disait que la toilette des animaux que nous mangeons, on n'est pas des animaux intérieurs que mangeons, c'est des animaux halal. On dit que c'est leur grande toilette que les chétans qui vont manger, les djinns que j'ai pris. En islam, c'est interdit de se purifier avec ça. Et c'est interdit de se purifier avec les os, les os, si nous mangeons les os des poules, ou bien les os des bœufs, ou bien les os des chameaux. Parce que c'est avec les os, c'est avec ça que les djinns vont manger. Et la nourriture que nous mangeons, comme le pain et les gâteaux, en islam, c'est interdit de se purifier toute la terre de nourriture. Et nous devons aussi éviter de jeter la nourriture à n'importe quelle façon. Et si nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, là où nous vivons, on a ce qu'on appelle les tentations de chacun, c'est pas nos mauvaises choses, ce que nous faisons. Et la nourriture, lorsque la personne qui a envie de jeter la nourriture, même en jetant la nourriture, il peut avoir la bénédiction d'un pain, le baraka. Et en jetant, la nourriture, il faut emballer très bien et ne pas emballer la nourriture, ce que tu vas jeter avec les sauces salées, comme le coucher de vie. Et en général, il faut toujours prononcer le nom d'Allah, Bismillah, qui dépose. Et donc, en islam, c'est interdit en islam de se purifier avec la nourriture, ce que nous mangeons. En islam, ça, c'est interdit. Et selon le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Salman al-Farisi, il a dit « قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَهُ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِبٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ Un juif, Yahoud, a posé la question, Salman a parlé ici. Est-ce que votre prophète, il vous a enseigné toutes choses dans votre religion islam? Salman a parlé ici, il a dit, il nous a enseigné toutes choses. Jusqu'à il nous a enseigné comment on doit aller à la toilette. Et lorsqu'on part à la toilette, il nous a dit, c'est interdit de se faire face au Qibla. Et c'est interdit de tourner le dos au Qibla catégoriquement. Et lorsque la personne il fait ses besoins, soit grande toilette, soit petite toilette, il nous a interdit de faire face au Qibla. Et il nous a interdit de se purifier avec la main droite. Et il nous a interdit de se purifier plus petit minimum de trois cailloux. Et ça montre qu'il y a rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé, il nous a enseigné tout. J'ai la matière là. Et celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Mais il y a rien qui l'a laissé parce que Allah ne va pas dire que la panique à la confiration de la Oswakuna Hasana. Et le prophète, c'est votre référence. C'est lui qui peut aussi, et jusqu'à il va laisser cette personne dans notre région islam. Et il nous a tout dit. Et il nous a tout enseigné. Il nous a tout montré, sauf celui qui ne sait pas. Et donc ça montre que, et tout ce que nous faisons, on doit apprendre avant tout d'abord. En l'ilmu, qabla qawli, wal amal. Et le 15e, al-dikru inda al-khuruj ibn al-khalali. Et lorsque la personne sort à la toilette, et la personne doit invoquer le nom d'Allah. Et il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kharaj ibn al-khalali, qala, ghufranak. Et lorsque le prophète il sortait à la toilette, il demandait à Allah pardon le temps qu'il a passé dans la douche sans invoquer le nom d'Allah. Et ça veut dire qu'il devrait demander pardon à Allah. Et lorsque la personne va passer son temps, et là où il va faire ses besoins, il demande pardon à Allah. Et comment la personne va passer son temps sans cesser à savoir comment il faut invoquer Allah, comment il faut pratiquer la religion d'Islam. Et lorsque la personne sort à la douche, il faut dire refroidir. Même s'il y a certains droits qui sont bien existés, mais ça c'est le droit qui est vraiment authentique. Même s'il y a certains qui vont prononcer comme des droits. Il a dit,
Dans le 16e point, غسل اليد بالصابون ونحره بعد الخروج من الخلاء. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la personne sort à la douche de laver les mains avec le glou et le savon. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تناحى فغسل قدمي ثم أتي بمنديل فلم ينفق بها. وفي رواية مسلم ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضا وضوءه للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاث حصنات ماء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. Dans le hadith va nous enseigner comment il faut faire la mission et le hadith va nous enseigner comment il faut faire respecter lui qui a fait le besoin. Et le hadith nous enseigne comment il faut se laver au bas de la bouche. Et donc, là, il nous a dit, selon le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, et notre mère, Maïmouna, elle a dit un jour, je mettais le pour le prophète à Allah pour la salam pour laver ses mains. Ça veut dire que lorsque le prophète a terminé ses besoins, il a dit, sa femme a dit que je mettais l'eau, c'est-à-dire qu'il a versé aussi les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lave ses mains. Il a dit qu'il a lavé les deux mains. Et lorsqu'il a lavé les deux mains, il a lavé sa partie intime. Il a lavé sa partie intime. Et après, il a pris sa main, il a mis ça avec, c'est la poussière, parce qu'avant, il n'y avait pas le savon. Et pourquoi nous pratiquons, on dit le savon? Nous lavons les mains avec le savon, c'est parce qu'on a le savon, on a le glou. Mais s'il n'y a pas tout ça, on tient, c'est permis à l'islam de laver les mains avec la poussière de l'amour. Parce qu'on dit dans un autre hadith, le prophète nous a dit lorsque un chien va pousser nos ancêtres, on doit laver les ancêtres en 7 fois. Parmi les 7 fois qu'on va laver, une fois, on doit laver avec la poussière. Et ça montre que lorsque la personne y va laver ses mains, avec la poussière ou bien la boue, ça va enlever ce qu'on appelle bactérie, c'est-à-dire la saleté. Et ça montre que le hadith, nous enseigne quand on sort à la douche, ou bien lorsque la personne sort à la douche, il faut laver les deux mains d'abord avant de commencer à faire la mission, surtout il a fait la grande toilette. Et voilà pourquoi c'est un peu beaucoup de erreurs et exemples que nous disons. Et lorsque la personne dit qu'il a plus besoin, de ne pas aller directement de faire la mission. Parce que lorsqu'il passe, il fait la mission directement, et sans laver les mains avec le glou et le savon, il va commencer à dessiner de la saleté, la tête jusqu'au pied. Et maintenant, quand la personne qui fait la mission par exemple, est-ce que son mission va être valable avec la capacité de se purifier? On ne dit pas que quelqu'un ne peut pas prier avec la saleté. S'il est capable, c'est permis de prier avec. Mais ça, c'est une règle à part. Mais nous disons, si la personne qui termine ses besoins, même le prophète lui-même, quand il terminait, il mettait sa main sur la poussière, il frottait très bien. Et nous, au lieu de mettre ça, on doit se laver nos mains avec le charbon ou bien le glou. Ok, nous allons faire l'ablution propre. Ou bien nos mains vont être propres et ne pas avoir ce qu'on appelle mauvaise odeur. Voilà les petites parties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et ici, on a fait. La semaine passée, on a fait ce qu'on appelle ici à 16 points. Nous allons faire seulement le résumé, le point qu'on a cité la semaine passée. On dit, premièrement, lorsque la personne va dormir, il y a quatre choses. Quand la personne dort d'abord, on dit le shaitan va attacher à la personne. On dit pour que la personne va détacher le corps du shaitan, il faut pratiquer combien de choses? Parmi les choses, invoquer le nom d'Allah lorsque la personne s'est réveillée. Parmi les choses, aller faire la mission.
Parmi les choses, allez faire la prière. Et lorsque tu pratiques ça, et tous ces chrétiens sont attachés, et tu vas être quelqu'un vraiment qui est fruit, qui n'est pas paresseux, qui n'a pas de problème. Voilà le point qu'on a cité. Donc, c'est que le prophète nous a dit. Et ce qui concerne si la personne qui sacrifie, on dit à 16 points. On fait seulement le résumé pour qu'on ne va pas oublier. On dit premièrement, article 1, le rôle à l'Ukhalaï. Et un procureur est fait le droit lorsque la personne ira dans la douche. Deuxième point, Adam aussi se prépare le peuple latin ou à ce qu'il y a fait le Khalaï de la Goyane. Et éviter de faire face au tribunal s'il y a la possibilité. S'il n'y a pas le mur, la personne n'a pas fait face au tribunal. Mais on dit s'il y a le mur, ce n'est pas interdit, la personne qui fait ses besoins et fait face au tribunal. Mais s'il y a la possibilité, c'est d'éviter, c'est ça qui est mieux pour la personne. Et troisièmement, Adam aussi se prépare le Mahab de Béchi. Et lorsque la personne fait ses besoins, elle n'est pas fait face au vent. Et quatrièmement, tu as pour ta part l'humilité qui vient au Béraïli, de ne pas parler dans la douche. On dit qu'il faut éviter de parler dans la douche. Parce qu'on dit, cause des chétans qui vont atteindre une personne, c'est lorsque la personne parle dans la douche, autant que la personne est nue. Donc il faut éviter lorsque la personne fait ses besoins, de ne pas invoquer le nom d'Allah, de ne pas parler autre chose. Cinquièmement, d'après où il y a le Yumna Al-Masri Falki, c'est interdit à l'islam de toucher la partie intime avec la main droite. Sauf s'il y a une barrière entre la main et la partie intime. Mais ne pas la main droite de toucher avec sa partie intime, c'est interdit à l'islam si la main gauche n'a pas de problème. Sixièmement, Adam Ristiga et Yamin, et de ne pas se purifier avec la main droite. Si la main gauche existe, qui n'a pas de problème, c'est un défi sacrifié avec la main droite. Soit c'est pour lui-même, soit c'est son enfant, ou bien c'est une personne. Parce que c'est très souvent, on dit lorsque la personne qui touche la partie intime d'une personne, ça gaspille la prison, même si ce n'est pas sa partie intime. Donc, de toucher la partie intime, soit lui-même ou une autre personne, c'est interdit avec la main droite. Et septièmement, Adam Kadar, il y a des faits par les deux masseurs qui ont fait l'une à venir voir où il m'a dit. D'éviter de mettre la sanité, d'éviter de mettre ses besoins à la route trop fréquente. C'est-à-dire dans la voie publique, on ne doit pas mettre la sanité en plus forte raison de faire les besoins naturels islamiquement. Et huitièmement, à la parole, il y a des films, la personne ne doit pas faire ses besoins dans l'eau qui ne s'écrit pas. C'est interdit en islam. Et deuxièmement, Adam d'abord où il fait ma carte du bourreau, il va ma carte du stichement. Là où la personne va faire son ablution, c'est interdire de faire ce qu'on appelle la petite toilette d'avoir de faire même l'endroit son ablution. Mais si l'endroit est seul, et quand il fait ses besoins, il termine, il va bien nettoyer son endroit là et faire son ablution. Après, il fait maintenant l'ablution, c'est permis. Parce qu'on ne dit pas, il y a certaines toilettes, la personne là en fait tout, c'est dans le même endroit. Mais s'il si fait dans le même endroit, il faut que la personne qui veste l'eau, qui purifie bien l'endroit, qui va bien l'endroit, après fait son ablution. Et dixièmement, Adam Khadar al-Hajj a fait le massage. Il n'est pas mettre la sanité dans les mosquées. La mosquée, c'est un endroit coloré. C'est un endroit beaucoup aimé. Et c'est un endroit bien choisi par notre paroi. Et voilà pourquoi nous devons tous éviter. Et on devrait faire beaucoup d'efforts pour rendre la mosquée propre. Et onzièmement, Adam Khadar et Hadja et Fima Fabi, il n'est pas mettre la grande toilette pour mettre la sanité au cimetière. La façon que la personne ne va pas mettre la sanité, vous ne devez pas faire ce besoin dans le marché en plein jour, c'est la même façon au cimetière. Et voilà pourquoi nous tous, on devrait se mettre debout. Et mettre beaucoup d'efforts pour participer dans l'assainissement de nos cimetières. C'est très important. Et deuxième point, à l'hôpital ou à l'anassi, la personne doit là, se rendre à non visible des gens. C'est-à-dire qu'il doit se cacher et il n'a pas fait ses besoins devant tout le monde, publiquement. Ce n'est pas permis à l'islam.
Et troisièmement, يستحق للمستجمع بالحجارة أن يجرى. La personne qui se purifie au-delà de l'eau, c'est-à-dire comme les cailloux et autres, la personne doit se purifier avec le nom impair. Et quatorzièmement, à la police qui m'a arrivé au sein de la Rome, au Rome, et ne pas se purifier avec les eaux ou bien la nourriture, ce que nous mangeons. C'est interdit à l'islam, parce que c'est avec la nourriture que nous, ça c'est la grâce de notre vie. Et Allah nous n'a pas donné la nourriture pour mettre la salité sur ça. Et quinzièmement, à l'écrivain de la Rome et de la Khalani, et prononcer le nom d'Allah lorsque la personne sort à la douche. Et si elle est dernière, la personne doit éviter et la personne doit laver les mains lorsqu'il sort à la douche avec le savon pour que la personne va être propre, il va faire son adoration comme l'islam nous a dit. Et si on va parler, si on concerne le lavage, c'est quelque chose qui est très important pour nous tous. Et toute personne doit connaître comment il faut se purifier. Parce que la purification fait partie de grands piliers dans notre religion islam. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis toutes choses. Il a fait ses critères, comment on doit faire les choses. Et il a dit, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle le grand lavage, la voix d'abord, c'est une chose qui est très facile. Et comment on doit se laver au lavage? Il y a une façon qui est suffisamment pour la personne et il y a une façon choisie par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement d'abord, ce qui est recommandé pour la personne d'abord, c'est l'intention sans prononcer l'intention. Et deuxièmement, la personne, ça fait partie pour que la personne qui se lave le lavage, il peut seulement se verser de tout son corps sans laisser une partie qui n'est pas mouillée. Soit il va se verser avec ce qui est le problème, ou bien avec le robinet, ou bien à la rivière, l'essentiel la personne, il mouille tout son corps pour se laver le lavage. Mais dans la sunna, ce que le prophète nous a dit, pour celui qui veut se laver le lavage, comme la sunna nous a dit, premièrement, si la personne ira dans la douche, il faut qu'il lave d'abord et bien, bien propre. Et quand il termine ça, il va laver l'ombre jusqu'au genou. Devant et derrière jusqu'à propre. Et lorsqu'il termine ça, il va faire l'ablution. La façon qu'on fait l'ablution pour faire la prière. L'ablution complète. Et lorsqu'il termine de faire son ablution complète, il va baisser aussi la tête, jusqu'à la tête roule très bien. Et lorsque la tête se roule très bien, il lave la partie droite jusqu'à en bas, il lave la partie gauche jusqu'à en bas. Et c'est la sunna de laver la partie droite, nombre impair, on fait du 3. Et la partie gauche, nombre impair, on fait du 3, ou bien 5, et autres. Donc c'est une chose qui n'est pas difficile. Mais beaucoup de personnes, elles ne connaissent pas comment ils font faire ces armes choses. Voilà le petit résumé, ce qu'on a dit, ce qui concerne le comportement pour une personne pour se purifier. Comment il faut se purifier, comment il faut se préparer pour faire ton adoration. Et donc, et le petit temps qui nous reste, la deuxième partie qu'on va citer ici, et on nous parle de ce qu'on appelle Adab Roudouni. Mais si on regardait l'ablution, comment on a fait l'ablution? Comme nous savons, si la personne qui se purifie, qu'est-ce qui va suivre? C'est laisser son ablution. Voilà pourquoi si la personne a fait son ablution, et à certains points, c'est que la personne aussi va s'adapter avec. Premièrement, après ce qu'il y a tout, à la douleur, et dit bismillah, lorsqu'il commence à faire son ablution. C'est la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans un hadith, la doua, demande à bien de que ce moment. Il n'y a pas l'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah bismillah. Mais est-ce que l'ablution n'est pas authentique? L'ablution est bien authentique.
Mais si une personne dit Bismillah, quand il fait son ablution, et toi tu n'as pas dit Bismillah, lorsque tu commences ton ablution, vous tous vous avez l'ablution, mais lui il a plus de récompense que toi. Parce que lui il a commencé par le nom d'Allah. Et voilà pourquoi c'est la seule n'a pas commencé de faire l'ablution, on doit dire Bismillah. On ne doit pas dire Bismillah Rahman Rahim. On dit Bismillah Rahman Rahim, c'est lorsque nous lisons le Coran. Dans tout ce qu'on dit, Bismillah, voilà, dans les livres, on dit seulement Bismillah, on ne dit pas Bismillah Rahman Rahim. Et deuxièmement, assurez-vous, et la personne doit brosser sa bouche, chaque moment quand il va faire son ablution. Alors, ce que sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Laula ashuqqa ala ummati la amatu bi siwaki, inda kulli wudu'in, ou inda kulli salati. Il a dit, si ce n'est pas pour en dire à ma communauté, je devrais vous imposer, je devrais vous ordonner chaque fois quand vous allez faire l'ablution, vous allez brosser vos bouches avec un petit criant, ou même autre. Donc voilà pourquoi quand on fait l'ablution, on doit brosser nos bouches. C'est la seule des prophètes en parlant de la salam. Et brosser la bouche est quelque chose qui est très important. On dit dans un de mes hadiths, assurable, ma bâte ou les rugby. Et brosser la bouche est une chose qui satisfait à moi. Mais lorsque la personne brosse la bouche un jour seulement, il y a un yama, Allah qui dit je suis satisfait de toi, voilà dans le mal. C'est très important. Et brosser la bouche a beaucoup d'importance. Et ça donne aussi l'amour entre la personne et les gens. Même entre ta famille. Ça donne ce qu'on appelle l'amour entre vous. Et ça donne la santé dans la bouche. Il y a beaucoup d'importance qui concerne de brosser la bouche. Et troisièmement, il se bat au logo. Il faut que la personne termine son ablution comme ça, c'est bon. Et si nous regardons la façon que les gens font l'ablution, même ça, il y a plusieurs fois, tu vois, il y a certaines erreurs. Parce que si l'ablution n'est pas complète, est-ce que la prière va être complète? Ça serait difficile pour la personne. Et voilà pourquoi tout ce que tu fais dans ton ablution, il faut veiller sur ça, il faut faire comme l'islam t'a recommandé. Ce qui concerne la veille au visage, si l'ablution d'abord. Beaucoup de gens pensent que le visage c'est seulement la façade là. Visage commence par l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche, jusqu'à en partie là, tout, c'est ça qu'on appelle le visage. Mais quand on a seulement ici là, et est-ce que tu penses que ça va être complet? Le visage, on doit l'avoir fait jusqu'au ce qu'on appelle Al-Zahm, c'est ça. Et donc, ce qui concerne les deux mains, quand on lave les deux mains, il faut aller jusqu'au coude. S'il y a la possibilité, c'est la zone à dépasser un peu. Et pour que la personne ne va pas avoir de doute dans son ablution. Parce que si la personne n'est pas complète, et la personne ne va pas avoir la prière. Et voilà pourquoi il nous a recommandé de faire l'ablution convenablement comme ça se doit et compléter son ablution. Et quatrièmement, Adam Al-Israël musulman a dit, c'est l'évité de verser beaucoup d'eau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله.
Et la vie, cinquièmement, on va se le parfois, il faut laver les mains avant de commencer la prise science. C'est la seule avec le professeur. Et il dit, ففي الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأقفى منها على يديه فغسلهما ثلاثا. Il a dit selon le compagnon Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari, et lorsqu'il expliquait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son ablution, il appelait une personne d'amener, c'est-à-dire un récipient avec l'eau. Il a commencé à expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son ablution. Et sans besoin beaucoup d'eau. Et ça montre que, c'est-à-dire, si nous regardons, et nous voyons d'avant, nous voyons un vieux, il pouvait faire la pression avec un demi-petit bouteille de l'eau en sang, petite bouteille. Il fait son ambition avec. Ça veut dire que de faire une adoration, il n'est pas dit qu'il faut verser beaucoup d'eau. C'est un truc en islam. Et aussi, avant de faire la pression, il faut d'abord faire quoi? Il faut laver les deux mains d'abord. Il faut laver les deux mains, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sixièmement, al-Mu'tamad wa al-Istinshaq bi kaffi wahid. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle al-Mu'tamad, c'est mettre l'eau à la bouche et le nez. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un seul main, avec une fois. Comme on a expliqué le début, on dit dans l'explication de la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que dans quelle façon qu'il faisait son ablution, et dans quelle façon qu'il faisait ce qu'on appelle Al-Mu'tamad wa al-Istinshaq. Il a dit, parce que c'est un hikaye à Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari, qui est le roi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. Et ça veut dire que, et quand on fait nos ablutions, comme on dit tantôt, en mettant l'eau par le nez, c'est-à-dire, et la bouche, il faut mélanger les deux parties. Et ne pas seulement mettre l'eau à la bouche trois fois, et après tu vas mettre l'eau dans le nez trois fois. Il faut mélanger les deux parties. Tu mets à la bouche une fois, tu mets le nez une fois, la bouche deux fois, le nez deux fois, la bouche trois fois, le nez trois fois. C'est comme ça que la sunna nous a dit. Et la 17e, t'as connu le rassa de Yadayni wa Bengelayni. Il faut frotter entre les doigts pour les deux mains et les deux pieds en islam. C'est ce qu'on appelle t'as connu le rassa de Yadayni wa Bengelayni. Et lorsque tu as mis ton ablution, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de frotter entre les doigts. Un jour, Imam Malik, il expliquait comment il faut faire l'ablution. Et lorsqu'il est dans cette partie, il y a une personne qui a posé la question, est-ce qu'on doit frotter entre les doigts? Imam Malik a dit, ça n'a pas besoin de frotter entre les doigts. Mais il y avait quelqu'un qui était à côté, il a écouté comment Imam Malik a répondu la question. Il a attendu jusqu'à l'imam a terminé son discours. Il a appelé l'imam à côté. Il a dit l'imam. Il a mis son preuve. En tout cas, moi, j'ai dit, le prophète nous a dit, lorsqu'on termine la mission, on doit frotter entre les deux doigts. Entre les doigts, c'est-à-dire la main et le pied. Il a fait comprendre l'imam Malik. Lorsque l'imam il a compris, quand il revient la main pour faire le muhadara ou bien l'enseignement, il a commencé par la chose que la personne lui a enseigné. Il a dit, hier je vous ai dit, quand on fait l'ablution, on ne doit pas frotter entre les doigts. Mais j'ai bien su la réponse qu'il a donnée, c'est une erreur. Normalement, on doit frotter entre les doigts. Soit les pieds ou les mains, on doit frotter. Parce qu'on me fait comprendre qu'on doit frotter. Mais qu'est-ce que nous devons savoir dans ça? Et lorsque la personne y connaît, mais il n'a pas soulevé le doigt devant tout le monde en disant l'imam, moi j'ai compris comme ça, le prophète il a dit comme ça, devant tout le monde. Ça montre que la science, ça demande l'éducation. Il n'a pas rapproché l'imam devant tout le monde. Il a dans le temps l'imam a terminé, il est parti à côté de voir l'imam pour expliquer l'imam, pour donner le preuve, le dali. Il n'a pas fait ça devant des gens pour dire non, voilà, pour se montrer.
Et deuxièmement, ni moi, ni plus lui-même, il n'a pas fait l'orgueil. Pour dire non, tu as fait science pour venir que ça, ça existe. Il a accepté, le lendemain, il est venu en expliquant. Et c'est que la personne qu'il a dit, il a dit, voilà, il y a ce que vous avez dit, on ne doit pas marcher entre les doigts, mais on a fait comprendre qu'on doit marcher entre les doigts. C'est la seule réponse à la parole. Et c'est comme on a vu dans les heures passées, et notre cher, le Dr. Mohamed Bantama, il expliquait la même chose. La même chose. Et si certaines personnes, parce qu'il a beaucoup de élèves, il est connu, il a la science, il pouvait dire que non, tu ne peux pas m'enseigner. Tu es qui pour me dire que ça, ça n'existe pas. Et la personne va se mettre en colère. En plus, votre raison de revenir pour dire ce que je disais hier, c'est pas vrai. Voilà, c'est ce qu'on appelle un travail de rabaissement. Il a accepté. Et si certaines personnes, il va commencer à dire que non, voilà ce que j'ai dit cher hier, et pour se montrer pour dire, voilà celui qui a voulu dire cher hier, donc lui aussi, il a la science. Il a évité de se montrer pour humilier le chef. Et le chef lui-même, il a accepté de revenir si la réponse pour accepter et suivre la vérité. Et donc, nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire comprendre notre vision d'islam. L'islam, ce n'est pas l'impolitesse. L'islam, c'est la sagesse et l'éducation. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, même si tu as ce que les gens ont besoin, tu ne vas pas les donner. Ils ne vont jamais accepter. Et toute chose, ça demande l'éducation, ça demande la sagesse, ça demande la compréhension. Et toi, la personne, tu as accepté. Et puis, parce que c'est un petit, c'est un enfant, tu n'es pas autorisé. Où tu trouves la vérité pour accepter la vérité. Donc, mes chers, nous demandons à Moussa à la facilité, demandons à Allah à la guider, papa n'a pas de vie, mais à Hassana, parce qu'il a fait Hassana, tu n'as pas de vie, papa n'a 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 pas